Ici, t'es la seule en qui j'ai confiance. Est-ce que tu as pu ouais. Non, je me suis introduit à la Life Foundation. Oui, mais quoi? Mais il se pourrait. J'ai peur d'avoir été infecté. Regarde. Son front est brûlant. Eddie, t'as l'air mal en point. Ouais, je suis mal en point. Non, Eddie! C'est mort. Eddie, assieds-toi. Ok, c'est bon. Eddie, reprends tes esprits. Je veux pas de ça. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Je suis médecin. J'ai chaud. Vous avez chaud, vous aussi? Monsieur, excusez-moi. Non. Je parlais à un responsable. Non. Là, non. Tu sais quoi? Non, s'il vous plaît. Eddie, s'il vous plaît. Bon, cette fois, j'appelle la police. Non, je vous en prie, pas la police. Appelez une ambulance, je suis médecin, ce monsieur est mon... patient. C'est beaucoup mieux. Tu te crois où? T'es malade. Tu tues beaucoup de gens. Qui tue beaucoup de gens? Carlton Drake. Oh, mon gros corps, c'est des gens. J'en ai la preuve. Alors, Eddie. Jambes. C'est dingue, j'avais les jambes cassées et là, elles le sont plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vraiment mon truc. Votre monde n'est pas si laid après tout. Dommage de devoir assister à sa fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu fais? Où tu es?
Tu remets ça? Tu veux ma mort ou quoi? Si tu meurs, je meurs. Ouais, sauf que tu peux te débarrasser de ma carcasse et la remplacer par une autre quand ça te chante. Pourquoi je ferais ça? Tu es un trop bon partenaire pour que je me débarrasse de toi si vite. Et puis, je commence à t'apprécier. On n'est pas si différents, toi et moi. Me voilà rassuré. Fais le bon choix, connard. Tes preuves sont là. On saute. C'est quoi le plan? Me faire marcher jusqu'à ce que la mort nous sépare? La ferme. T'es qu'un clown sans ton pote. Ta mère t'a pas donné assez d'amour? Être un pro, ça donne quand même un avantage. De toute façon, c'est pas un souci si tu me tues, parce qu'il y a dans ce monde quelque chose qui nous dépasse d'une tête, toi et moi. C'est plus grand que moi. Ouais, et c'est beaucoup, beaucoup plus grand que toi, surtout. Le karma fait de ses blagues. Je crois pas au karma. Je sais, je suis passé par là, c'est pas... Le symbiote de Drake s'appelle Riot. Et c'est qui ce Riot? Pour vous, ce serait l'équivalent d'un chef. C'est une armurerie ambulante. Drake a son symbiote. Il est invincible. Oh, génial. On doit y aller. On doit aller où? Dis-moi, on va où? Bon, je vais venir avec vous. Non, ça va faire mal. Non, elle peut faire mal, je t'assure. Oui, je peux faire mal. Pas aujourd'hui. En attendant, on peut manger quelque chose, sinon ton foie va bientôt avoir l'air très très savoureux et juteux. Ouais, ouais, carrément. Je connais un endroit pas loin d'ici. Hé, hey, Madame Chen. Quoi de neuf, Eddie? Et avec le temps qui change, vous connaissez le dicton? Non. Alors, quel délice exotique va me taquiner le taco ce soir? Je dirais des frites et du chocolat. Pas de soucis, on fait comme ça. C'est jour du paiement, Chen. Je vous en prie, je peux pas continuer comme ça. T'es de grouille! Lui, c'est un méchant. Ouais. Si tu oses encore te pointer ici... Non, en fait, si tu oses t'en prendre à des innocents dans cette ville, je te promets que nous allons nous occuper de toi. Nous te mangerons les deux bras et les deux jambes, et ensuite, nous allons te bouffer le visage et t'arracher la tête. Pitié. Oui. Tu ne seras plus qu'un bout de chair sanguinolent, sans jambes, ni bras, ni tête, qui roulera sur la chaussée comme une crotte, poussée par le vent. Tu visualises? Mais vous êtes qui, vous? Nous sommes Venom. Tout bien réfléchi. Pitié. Eddie, c'était quoi ça? Oh, j'ai attrapé un parasite. Ouais. Bonsoir, Madame Chen. Parasite? C'est un terme affectueux. Demande pardon. Non. Demande pardon. Bon, d'accord. Je te demande pardon. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu me connais. Pour moi, on peut faire tout ce qu'on veut.